quand tu vas rencontrer Dominique Michel, tu vas capoter. Mais je l'ai rencontré, j'ai pleuré. Tu l'avais, t'avais fait, tout le monde en parle. J'ai fait, j'ai fait Penelope McQuaid, là, les essences. Oh, OK. Oui, il y avait toi, Cathy, puis... trois générations de femmes blondes. OK. Trois. C'est weird, ça. Toi. C'est-tu de même qui vendait ça? Ouais, c'est... Trois générations de femmes fofolles. C'est ce qu'ils ont dit. C'est bien insultant. Moi, je trouve ça sexe, mais... Non, mais c'est insultant. Trois fofolles! Mais te faire traiter de fofolle. Hey, moi, j'aime tellement mieux ça. D'habitude, les gens disent que je suis une grosse conne. Ah. Mais c'est mieux, ouais. C'est mieux que trois générations de grosses connes. Soit cool. Trois générations de crises de vache. Mais il n'y a personne qui t'appelle une grosse conne. Ah oui, ben, moi je suis genre, tu sais, comme sûrement une des humoristes les plus détestées. Là. Tu penses? Bon, elle pense ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Elle mais c'est souvent sûr, ça. Elle me dit, je t'ai invité à sous-écoute parce que t'es mon seul ami en humour. Puis j'étais comme, on n'est pas amis. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est vrai qu'elle m'a dit ça. Elle a dit, je t'ai invité parce que t'es un des seuls humoristes à qui je m'entends bien. Mais je suis comme, non, c'est pas que je m'entends pas bien avec les autres. Genre, toutes les humoristes, c'est mes amis. Tu sais, je veux dire, on est proches. Ils doivent apprécier ça que tu fasses. T'es mon ami. Je t'apprécie comme personne. Non, mais honnêtement, je m'entends bien avec tout le monde. Tu sais, c'est tout. J'aime tout ce qu'ils font. Je trouve ça tout le temps noble de faire ce métier. Je trouve ça noble. J'ai trouvé noble. C'est des vrais petits princes. On dirait que plus t'es poli, plus ça veut dire que t'es haï. C'est énorme, mais j'ai poignardé tout en cachette. Non, mais c'est juste que comme... Je chillerais avec Simon. T'sais, Simon, on chill ensemble, il vient chez nous, on prend un thé. Mais... Elle m'a demandé l'autre fois d'y amener du Gatorade parce qu'elle était malade. J'habite pas loin de chez eux, mais le thé... Hein, ça, hey, j'avais la chiasse, j'avais tellement la chiasse. Ah oui, hein. Elle revenait d'Asie, tu sais, elle était comme, hey, je suis malade, là, je chie partout, amène-moi du Gatorade blanc. Le blanc, c'est le meilleur. T'as-tu pogné, la diarrhée? La salmonelle. En Asie? La salmonelle. T'as-tu juste fait la Thaïlande ou t'as fait une coupe de pays? Non, j'ai fait la Thaïlande, mais c'était pas ma première fois en Asie, là. Mais j'aime mieux me concentrer sur une place. Puis t'es allée seule? Non, je suis allée avec ma sœur. Okay. Mais d'habitude, je voyage toute seule. Ouais. Mais t'es chanceuse d'être une fille parce qu'un gars qui va en Thaïlande seul. C'est un pédo. C'est un pédo. Clairement un pédophile. Ouais. Mais là, toi, t'es une fofolle en vacances.